Alors, on va commencer cette petite vidéo par le spectacle de Pâques de la classe de musique de Clémence. Donc là, on est à Clisson. Et puis après, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Il va se passer plein de choses. On part en vacances. Enfin, avec Auguste, parce qu'il faut le faire tourner, quoi. Tout le monde sait qu'un véhicule qui ne tourne pas régulièrement s'abîme. Donc là, ça fait quand même quelques mois qu'il n'a pas tourné. Et en plus de ça, il est resté dehors. Donc on va aller le faire tourner et visiter quelques petites plages sympathiques, soit en Bretagne, soit en Vendée. Voilà, allez, bonne vidéo. Ciao. Alors Clémence, tes impressions, c'était bien ou pas? Non? Tu veux pas dire? C'était pas bien. La fille, c'était très bien. Jeanne, t'en as pensé quoi, toi? J'ai pensé que c'était très chouette. Ouais. Et toi, Eva, je peux te filmer ou pas? Parce qu'il y a Eva qui nous a rejoint, ma nièce. Alors, toi, t'as vu juste la fin? Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, c'est rigolo. Voilà, premier spectacle. Super mignon. Oh, la Sèvre, elle est haute. Bah oui, il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis une semaine. Là, c'est des torrents de pluie. Mais ça va, ça déborde pas encore. Mais c'est haut, c'est haut. C'est carrément de la folie. On s'est arrêté au mini autoclub nantais. Parce que les filles, elles connaissaient pas. Hein, vous connaissiez pas les petites voitures. C'est énorme. Alors là, on est sur de l'électrique, hein, c'est pas du thermique. Mais ça bombarde de chez Bombarde. Le monsieur à côté, il disait, ça fait des pointes à 120 km/h quand même. Ça rigole pas. Waouh. Mais vous avez l'accélération de voler. Attends, vas-y, recommence. Non, tu veux pas. Là, il y a une Viper, elle se traîne un peu comparée aux autres, mais... Mais ça, on voit quand même. Ah, c'est ça. Waouh. Faudra bloquer la bouche pour que la bouche puisse avancer. Allez, j'arrête la vidéo. C'est monstrueux. Attention à ton derrière. Hein. Toi, Zach, tu prends tes marques. Voilà, un chat camping-cariste. Allez. Et tu rentres, hein. Et voilà, nous voilà arrivés pour un petit séjour de 2 jours, un truc comme ça, puis après je sais pas où on va aller. Donc nous sommes à Port des Barques. Port des Barques, c'est l'estuaire de la Charente, un petit peu à côté de Rochefort, quoi, une dizaine de kilomètres de Rochefort.
Et puis, on va aller visiter tout ça. Il y a l'île Madame qui est juste à côté. Et puis, et puis des jeux, puis plein de trucs. Vous, les filles, ça va ou pas? Oui. Ouais, qu'est-ce que vous faites, là? On va au jeu. Ah, elles vont au jeu. Bon, bah alors, bon jeu, les filles. La sieste. Papa, laisse-nous tranquille. Petite bête. Petit chat camping-cariste. Alors, Mouzok, c'était épuisant, cette route. Oh, 180 km. Du coup, t'as retrouvé ton coin. Oui, tu gardes le camping-car. Hein, mon chat? Oh là là, dodo. Eh bien, un bon, bon chat. C'est bien qu'on y croche alors ou pas? Oui. Alors, spéciale dédicace pour Mamidou, Tata Mélissa, maman, elle joue à Candy Crush, maman ou pas? Peut-être. Et à tous les joueurs de Candy Crush, 5 ans. T'es rendu à quel niveau? À le 11e. Eh ben bravo, dis. T'aimes bien ou pas? Oui. Bon. Oui. Eh oui, ça assure un peu. Alors, Divine. Et voilà, nous voilà mercredi, on est combien? On est le 12, je crois, ou le 13. On est le 13. 13 avril, ouais, mercredi 13 avril. Donc, j'ai enfin réussi à convaincre les filles d'aller visiter le village. Donc, allons voir le village. Et puis, bah, sinon, voilà, hein, c'est parti. Il y a beaucoup de mobilhomes hein, ici. Tout le bout de port des barques. Là, c'est un espèce de grand camping. Et puis, il y a plein de mobilhomes. Mais j'ai l'impression que ça, c'est pas vraiment le camping. C'est carrément des terrains privés. En fait. Voilà, bonjour, monsieur. Les filles, ça roule. Ça roule. C'est vraiment beau. Ah, il y a un vélo qui est tombé. Ah voilà, on m'abandonne. Donc je vais tout seul au village visiter. Et les filles, elles vont avec les anciens. Parce qu'il y a mamie et papy qui nous ont rejoints avec leur camping-car Gaston. Hop là, une petite Jaguar type. Sympa, dis donc. Et la Charente. Pas mal. La petite maison, les maisons du front de mer, elles sont vraiment très jolies. Enfin, du front d'estuaire, on va dire. Pas mal. La chaloupe, la marine, nanana, il y a même un club informatique, dis donc. C'est bien, hein, il y a même une petite supérette, il y a un tabac, une boulangerie, il y a tout ce qu'il faut. Une pharmacie. Il y a le marché, il y a des huîtres, et puis je vais vous montrer un truc. Ah, il y a même un COP 7 sur 7. C'est bien ça. Une brasserie de Viking. Donc a priori, pour se garer, pour venir faire des petites courses, c'est ici. Il y a machin, stationnement camping-car. Et puis là, je vais vous montrer. Donc là, il y a des petites échoppes, là, sympathiques comme tout, producteurs de huîtres et tout. Là, l'office de tourisme. Hein, sympa le petit bled, mais je sais pas pourquoi les filles elles veulent pas venir. Et là, il y a la plage. Il y a même un pêcheur. Alors. Et il y a des jeux. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Une petite baraque de pêcheurs là. Là, l'île Madame en face, toujours. Hein. L'île d'Aix. Là-bas. Il y a même des jeux pour les enfants. Bah tant pis pour elles, les filles elles ont pas voulu venir, c'est... Tant pis pour elles. Pas mal, ces petites maisons. Bon, c'est dommage que l'eau soit pas très bleue. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, allez, je vais faire ma petite course à pied. Donc en face, l'île d'Aix.
Et ça, l'île Madame. Et donc, il y a un goa en fait pour aller dessus. À marée basse. Et donc là, ça doit être l'île d'Oléron. Elle est sur la plage. Elle est pas très bleue l'eau ici. Hein. Bah ouais, c'est l'estuaire en fait. Hein. Parce que la Charente, elle est juste là, je vais vous montrer. Voilà la Charente. Et son estuaire. C'est assez large. Hein. Donc en face, c'est quel. C'est Fouras peut-être. Allez, en avant toutes.